Ok, alors on est toujours dans Bati Legani, le Mahamar de Tafshin Kaf Dalet, Mahamar du Rabbi Yud Shvat. On a vu, d'abord dans un premier temps, que le Rabbi, il a résumé, on est page 24, que le Rabbi a résumé les premiers chapitres, les 13 premiers chapitres du Mahamar du Rabbi précédent, dans lequel il a expliqué tout le fonctionnement justement de comment on arrive à ramener la Shrina sur Terre par un processus de Itkafia et ça peut aller jusqu'à Itafra, c'est-à-dire qu'on peut transformer l'Yetzara, transformer l'écran, le voile d'Hachem, jusqu'à ce que finalement la Shrina puisse se révéler, qu'elle puisse revenir sur Terre. Alors pour ça, il a ramené les différents aspects que disait le Rabbi précédent, que ça, on peut faire appel à une force profonde, en fait, comparer ces trésors du roi que normalement on ne dévoile pas, que le roi garde toujours secret pour lui, même de ses pères. Mais là, il est prêt à le dilapider pour les simples soldats. Les soldats qui font partie de Tzivot Hashem sont des gens qui, par définition, sont prêts à faire Messirot Nefesh. C'est-à-dire le corps de Messirot Nefesh qui correspond à ce lien de Shtut Degdusha. Eh bien, de quelque chose qui est mala mitam vedat, où on fait les choses pas simplement d'après la raison, mais on est prêt même. L'exemple qui était donné, c'était de Shmuel qui était prêt à se ridiculiser d'une certaine manière, mais pour être mes samer chatan vekala, ça prouve qu'on peut faire quelque chose qui est au-delà de la norme fixée par la logique habituelle, mais au-dessus de cette logique. Et c'est ça qui va corriger ce qui était une déviation en dessous de la logique. On appelle les matam itam vedat, qui est en fait quelque chose qui vient du Yetzirara, qui vient du Korabami. Alors, en faisant ça, alors maintenant, il est rentré dans l'explication là, du 14e chapitre, c'est ça vraiment, on est rentré dans le vif du sujet. Et où finalement, il va expliquer qu'est-ce que c'est quoi cette force-là qui est dilapidée par le roi ? De quoi on parle ? Et en fait, on se rend compte que c'est le Or Ein Sof. Le Or Ein Sof, c'est évidemment ce qui est avant même la création, ce qui tient toute la création. Et on voit même, c'est ce qu'on a vu hier, que ça traverse tous les mondes et ça descend même dans les niveaux les plus bas. Et c'était bien tombé parce que ça retombait sur le chapitre 24 du Tanya, qu'on avait étudié juste avant, où on voit que Kadosh Baruch Hu, il est mechayé et meavé, il fait être et il donne la vie à tous les degrés, même jusqu'à la klipa, et même jusqu'à en dessous de la klipa. C'est-à-dire, c'est quoi en dessous de la force du mal? C'est lorsqu'il y a une transgression de la Torah, que ce soit un sourd de la Torah ou un sourd des Rabbanan, ça propulse l'homme dans un degré, dans un niveau qui est encore plus bas que la Sitracha. Parce que la Sitracha, elle, au fond, elle est comme dans le machal de la Zona, et qui est quand même employé par le roi, elle fait la volonté du roi, c'est-à-dire qu'elle fait la volonté d'Hachem. Même la force de la Avodah Zarah, c'est. Elle parle de Dieu en parlant de l'Akad et l'Akaya, qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux, même s'ils se prennent pour des dieux. Mais quand on faute, donc finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même la Sitra est soumise à la volonté divine, alors quand on transgresse cette volonté divine, donc on descend dans un degré encore plus bas. Alors pour remonter de ce degré encore plus bas, il faut révéler la force divine qui est déjà en fait à ce niveau-là, qui va jusque dans ce niveau d'en bas. Parce que quand on dit que Hashem Mechaye et Kulam est avec Kulam, c'est-à-dire que c'est justement la force de Dieu qui fait exister tout ça. Donc si on amène cette force-là, si on la révèle, si on la développe, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer les choses. La force qui nous permet de faire Itkafia et Itafra, c'est justement ce trésor du roi qui est ce Or Ein Sof. Alors maintenant, dans le chapitre qu'on va voir maintenant, qui est le chapitre Vav, ici du Mahama, et le suivant Zayin, et même après, on va entrer dans une explication assez profonde de Chassidut, basée sur des concepts de Kabbalah, pour expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette lumière, qu'est-ce que c'est que cette force?
ou même chez Béhama, le colzé ou les filles, chez Aor ou Ensovet. En réalité, ce qui permet à cette lumière de descendre jusque tout en bas, Aden Tachlit, ça veut dire en fait, tel que c'était expliqué, l'expression du Tikkun HaZohar, qui veut dire en fait que ça descend jusque dans les plans les plus bas, comme on vient de dire. Ce qui lui permet de faire ça, cette lumière, c'est sa nature. Sa nature infinie. On l'appelle Or Ensof. Alken Ensof Gamken Isht Pashuto. Puisque c'est. Elle est chez Or ou Ensof Be'etsem, alors son déploiement aussi peut être infini. Mais Ribouya Madrigod, Ve'ishtal Shelut, Adlemata, Mata, Mamash. Donc, même s'il y a des milliers, une infinité presque de degrés, ça peut descendre jusqu'au niveau le plus bas. Alors, une des caractéristiques de cette lumière infinie, qui est absolument extraordinaire, c'est qu'en fait, elle n'est absolument pas affectée par le fait qu'elle passe par tel ou tel degré. Où qu'elle soit, elle a toujours cette même qualité d'infinitude. D'accord ? Le Rensof, qu'il soit en haut, qu'il soit en bas, il s'appelle du Rensof. Même si dans les mondes supérieurs, il est plus révélé, elle est plus révélée cette lumière, en fait, ce qui distingue les mondes supérieurs des mondes inférieurs, c'est le niveau de révélation ou, à l'inverse, de voilement de cette lumière. Mais la lumière elle-même, elle est toujours la même. Deino kedimion aneshama veagouf. Et ça, ça ne ressemble pas d'ailleurs à la même chose que ce qu'on trouve dans l'aneshama et le gouf, parce que dans l'aneshama, on pourrait croire, si tu veux, que ce or et ensof, c'est comme l'âme du monde. Et donc, ce serait comme une neshama par rapport à un corps. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça, parce que la neshama dans le gouf, la neshama, arimit palet mikre agouf. La neshama, elle est affectée par le corps. Aval, elle est affectée par le corps. Il va donner l'exemple. Aval, or eloke, amechayu, meave, enomit palet, venomishtanekla. En revanche, la lumière infinie, qui descend et qui fait tout exister, qui fait tout vivre, elle n'est pas ni affectée, ni changée par le fait qu'elle descend. Pourtant, on a l'impression que quand même, il y a des niveaux différents de lumière. D'accord ? C'est-à-dire que le fait que ça se déploie, que ça s'habille dans des degrés, ça fait des changements. En réalité, c'est simplement au niveau de la chayut. La vitalité, elle va être plus ou moins distribuée en fonction des niveaux. Plus tu descends dans des vêtements, et moins il y en a qui passent. Mais c'est la même. Donc ce n'est pas la lumière en soi qui est affectée, c'est la transmission de cette lumière. Alors en réalité, ce qu'on appelle ici la potentialité qu'il y a dans cette lumière, le corps de cette lumière. C'est-à-dire que à ce niveau-là, il peut y avoir plus ou moins de lumière. Et ça, ça correspond dans le langage de la Kabbalah à ce qu'on appelle les kelim des sphirot, des olamot de Bria et Sira-Sia. Donc en fait, tu vois le modèle, on a quatre mondes. On a Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Mais en fait, Atzilut est d'un côté, et en dessous de ça, il y a les trois mondes de Bia, en résumé, en abrégé. Donc Atzilut se distingue des olamot de Bria, de la création, parce que c'est pas un monde de création, c'est pas un monde créé, c'est un monde divin. Donc, étant donné qu'il est divin, la lumière divine, elle est révélée dedans, parce que c'est un monde de Dieu, c'est un monde qui est fait que du divin. Même le mot monde, il est un peu, il faut expliquer pourquoi, mais on va pas le faire maintenant. Par contre, dans les niveaux de la création, le Bia, eh bien, au niveau des Kélim, des Séphirot, c'est là qu'il peut y avoir un ajustement du degré de lumière qui va vouloir être répandu dans ces mondes-là. Même que, si tu veux, je prends un exemple, dans un truc complètement concret de la lumière physique. La lumière physique, pour qu'elle passe, il faut que tu aies des kélim, par exemple une résistance électrique qui passe dans une ampoule. D'accord ? C'est ça qui fait que la lumière va se dégager. Suivant le niveau de résistance que tu mets, si la résistance elle est grande, si la résistance elle est petite, tu vas avoir plus ou moins de lumière. D'accord ? Parce que plus tu vas laisser passer l'électricité, parce que la résistance elle sera capable de supporter l'électricité, et plus elle va chauffer le gaz qui est dedans,
Et donc, plus elle va faire de lumière. Donc, c'est une image pour comprendre le fait que, suivant le keli que tu as, tu peux avoir plus ou moins de lumière qui se dégage. Alors ça, c'est ce qui se passe au niveau des mondes de Bria et de Sira, donc ces mondes de la création. Si les kelim, ils sont au niveau de ça, en jouant, c'est une manière de parler, évidemment, sur les kelim, eh bien, il peut y avoir plus ou moins de lumière qui va apparaître. Les kelim de Bria, Arem Bebechinat Metziyut, parce qu'en fait, ces kelim de Bria, de la création, ils ont une certaine existence. Ils ont une certaine existence, donc cette existence, elle peut plus ou moins transmettre ou plus ou moins voiler la lumière divine, puisqu'ils existent en tant que tels, donc c'est pas qu'ils s'opposent, mais disons qu'ils ont une place qui leur permet de plus ou moins véhiculer la lumière. Kedeita Begeret HaKodesh Anal, dans la lettre 20, de Réchit HaYesh en de Kelim de Bia. Vous expliquez, Tania et Begeret là-bas, que le principe même du Yesh, du fait qu'il y a quelque chose, qu'il y a un je, qu'il y a un moi, en réalité, ça vient à l'origine des Kelim des Sphirot de Bia. Mishum ze shayar bahem ashinun vikpailut. Puisque ils sont le chorej du Yesh, le Yesh, ben, lui, c'est la Metsius, ça peut être soumis à une itpailut, à des changements. Aval beor amechaye, en bo shum shinun vikpailut klal. Mais en revanche, pour la lumière qui est dedans, c'est Kelim, c'est la même. C'est comme si tu fais passer du 110 volts dans une ampoule de 100 watts. Ça va donner une certaine lumière, parce que c'est 100 watts, c'est tel type de résistance. Elle va faire plus de lumière que si tu le fais passer dans une ampoule de 60 watts, parce que c'est une plus petite résistance. Mais c'est la même électricité qui passe dedans, c'est le même 110 volts ou le même 220 qui passe dedans. Alors c'est une image pour commencer. Le or qui traverse les sphirotes de Bia, c'est toujours le même or, c'est le or en sof, c'est le même qui était dans l'Atsilut, c'est le même qui est dans le monde supérieur, c'est le même qui est dans le monde inférieur. Mais les kelim qui voilent, qui permettent la diffusion de cette lumière, ils sont plus étroits, ils condensent plus la lumière, et donc il y en a moins qui se manifestent dans le monde de la création. Et plus tu descends dans ce monde de la création, plus tu descends dans de Bria, de Yetzira, dans Asiya, et moins il y a de la lumière divine. Et encore plus, si tu descends dans le monde des clipotes, ah, où là, elle est pratiquement complètement voilée, c'est-à-dire que c'est une résistance qui voile de plus en plus, et encore plus si tu descends encore plus bas. Mais malgré tout, le courant, il passe quand même. La lumière, elle est là, sauf qu'on ne la voit pas, parce qu'elle est complètement voilée. On la capte. Elle n'est pas véhiculée, elle est complètement contractée, c'est une autre manière de dire comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un vêtement qui est plus... Ravi, Michel, peut-être je l'avais dit tout à l'heure, peut-être vous l'avez déjà expliqué, mais c'est où le monde de la Bria? Et si c'est Asiya, c'est quoi Bria, c'est ça se trouve? Alors, Bria, c'est un monde créé, mais spirituel. C'est le monde spirituel. Des Neshamot, par exemple. Yetzira, c'est un monde aussi intermédiaire, qui est plus subtil que le monde matériel, qui est moins spirituel que le monde de Bria, qui est entre les deux. Par exemple, c'est le monde des Malachim. La plupart des anges sont dans le Olam Yetzira. Il y a des anges aussi dans Asiya, des anges dans Bria, mais le Ikar, alors que le Ikar des Neshamot, c'est dans Bria. Les Neshavot étant considérés comme quelque chose de supérieur aux anges. D'accord. Okay, mais ça c'est pas physique. C'est pas physique, mais c'est une création quand même. Dieu, il n'a pas créé que le physique. Okay. Il n'a pas créé que la matière. Il a créé beaucoup d'autres choses. Le spirituel, c'est une création. Oui. Alors que le or and soft... Ça, c'est pas du spirituel, c'est du divin. C'est du divin. Il y a une différence. C'est-à-dire, tu peux trouver ce remède dans le premier passage de la Torah. C'est marqué Bereshit bara Elokim, et à Shamaim v'et Aretz. Alors, le mot Shamaim, c'est pas simplement les étoiles, comme on le voit, surtout que c'était avant les étoiles. Shamaim, ça veut dire le spirituel, et Aretz, ça veut dire le matériel. Dieu a créé à la fois l'esprit et la matière. Tu comprends? Les deux sont des créations de Dieu. Veinyan Bazé, deuxième paragraphe. Veinyan Bazé, Kefi chez Mevaer, à Tsemar Tzedek. Be'aruka, Bedrush, Shloshashitot, c'est un drush qui est marqué dans les sphérimes du Tzemar Tzedek, qui s'appelle Rota Torah. Là-bas, il explique dans le deuxième niveau, She'afilu be'kelim de Hatzilut. Oh, même dans les kelim des sphérimes de Hatzilut. Donc là, on est remonté dans Hatzilut, où il y a aussi les lumières et les kelim. Alors même là-bas, Ine avshinikrim be'shem kelim, même si on les appelle des kelim, lo she'er ba'em inyan shel shinui.
on dit pas qu'il y a de chinouï là-bas. Ou mais verze aliesod biyur admor emtsai. Et ça, il explique d'après ce qu'a expliqué le admor emtsai, le deuxième rabbi de Chabad. Mais ma'amar azor parashat yveyetse, shakadosh baruch hu omer afilu bemanin dili le ishtamesh et le bemanin dilach. C'est une expression qui est prise ici dans le Zohar, où Dieu il dit, je n'utilise pas mes kelim, mais j'utilise tes kelim. Alors mes kelim représentent, c'est quoi hein? C'est quoi mes kelim? Les kelim de Dieu, c'est les kelim du Olam HaAtzilut. Quand on dit tes kelim, c'est une expression, c'est comme si Dieu parlait de tes kelim à toi, c'est les kelim du Olam de Bia, de Bria et Serassia. Les manin, embechinata kelim, les manin, manin ça veut dire des kelim en araméen. C'est-à-dire des vêtements, c'est-à-dire kelim. Vous pirouche ma'anin dili, quand on dit ma'anin dili, un berinat akelim de Hatzilut. Ce sont les kelim de Hatzilut. Shinikraim ma'anin dili, mishum de iyu vechayo i vegarmoi chad. Parce que c'est marqué, le tikkun azoah, que son essence, iyu, iyu ça veut dire lui, kadosh baruch hu, lui, son essence, vechayo i, et sa vitalité, c'est-à-dire les lumières, les spirotes, Hatzilut, vegarmoi, et les kelim de Hatzilut, et bien tout ça c'est Chad Be'on, c'est-à-dire que les lumières comme les kelim sont totalement divins dans le Olam Hatzilut. Et donc, il y a un yirut total. Au Manin Dilar, M kelim des biyar. Par contre, tes kelim à toi, c'est les kelim de biyar. Ou même chez les Ba'ersham, alors qu'est-ce qu'il dit, explique en plus Vechen ou gam be bio ve shafta taksav, c'est aussi un bio du donné par le Admor Hazaken, be Abichal, be Ktavia d'Admor Emtsai im Agaot Atzemar Tzedek. Bon, à l'époque, ça se trouvait dans des c'est un biur sur des Ktavia du Tzemar Tzedek. Chez Inyan Akeli ou Bechinat Gvul ve Tzimtzum, c'est quoi un Keli? Un Keli, par définition, c'est quelque chose qui a une certaine limite. Certaines contractions qui justement limitent les Agbil ou les Tsamtsam et Taor. C'est ça qui va limiter et contracter la lumière. Parce que si la lumière du Ensof elle se révélait entièrement, il n'y aurait pas de place à aucun monde. Et dans, même dans quoi, c'est même dans Tzilut, c'est pas Adesof. Même dans Tzilut, il faut qu'il y ait des Kelim. Alors c'est ce qu'il va expliquer. C'est bien que ce soit divin. Ça va, Bokh Hashem, Bokh Hashem. Chazak. On est page 25. Alors. En nom, les Mahalam et Hatzilut, là, ils te prennent le marché à Kelim, Yagbil, Mamash et Or. Mais d'un autre côté, c'est la question que tu poses. Dans Hatzilut, on ne peut pas dire qu'il y a une limitation de la lumière, puisque tout est divin. Oui, j'ai une autre question. Je crois que je n'ai pas bien écouté quand je l'ai dit. Shafou, Bekelim, Dehatzilut, Iné, Av, Shinekrim, Bechem, Kelim, Mosher, Ben, Minan, Shel, Shinoui. Ça veut dire quoi, Inan, Shel, Shinoui? Ça veut dire que. Je suis avant. Hein. Ouais. Juste pour être sûr, je répète. Ouais, non, c'est bon. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui change. Lo Shar Ben Minan, Shel, Shinoui. Oui. Qu'est-ce que vous dire par là? Ce n'est pas des vrais kelim, vu qu'on est dans un monde entièrement divin et pas spirituel. Et quand je continue à voir la suite, il dit que c'est Yehu Vechayu Gamu Ichad, contrairement à nous, que notre kelim à nous, c'est bien, c'est différent. C'est quand Dieu il dit moi j'utilise pas mes kelim, j'utilise les vôtres, ça veut dire que les changements qui se passent au niveau de la diffusion de la lumière dans les mondes de Bria et Tsirassia, ils dépendent des kelim de Bria et Tsirassia, ils dépendent pas des kelim de Tzilut. Ah, pourtant on parle de kelim, d'accord? Quand on utilise nos kelim, ça n'a rien à voir avec Hatzilut. Bah, c'est une manière kelim. De parler. Mekelim et Tekelim, en fait, tout ça, ça vient de Dieu. Mais l'expression Mekelim fait référence au kelim de Hatzilut. Et Tekelim fait référence au kelim de Bia. Alors, c'est comme si Dieu il dit, c'est avec Tekelim que je vais faire des changements. C'est pas avec Mekelim à moi. Parce que Mekelim à moi, ils ne changent pas. Ils changent un. Ils sont complètement... Ils ne voient pas la lumière, ils font un avec la lumière. Mais ils doivent quand même être limités parce que nous, il n'y a pas de lumière dans les autres mondes. C'est ça que alors, je disais. Après, maintenant, ce qu'on voit... C'est que même, malgré tout, même s'il n'y a pas de limite dans ces kelim, c'est des kelim qui font un avec l'infini, dans Hatzilut,
pour ça qu'ils ne les utilisent pas en, pour faire des changements, si tu veux. Bon. Malgré tout, hein, ces kélims-là, ils sont appelés kélim. Donc s'ils sont appelés kélim, ça veut dire qu'ils sont hein, ce qu'on appelle le principe du gvoul. Ils ne sont pas limités, mais ils sont la racine de la limite. Ils sont le principe du gvoul dans le bilti gvoul. Pour faire plus compliqué, ça veut dire ils sont le principe du fini au sein de l'infini. Dans l'infini, l'infini contient toutes les possibilités, n'est-ce pas? C'est une autre manière d'exprimer les choses. Donc, l'infini, c'est le kol yachol. Donc il contient aussi la possibilité du fini. Hachem, il peut faire quelque chose qui est limité. Mais dans son infinitude à lui, cette possibilité de faire quelque chose de fini, de limité, ça fait partie de son infinitude. Donc c'est dans un degré encore d'infini. Donc en fait, quand on parle des kélim de Hatzilut, les kélim, ça veut dire normalement ce qui est limité, mais dans Hatzilut, ce n'est pas limité, puisque tout fait un avec le Ensof. Donc tout est de l'ordre du Ensof, tout est de l'ordre de l'illimité. Mais en même temps, alors pourquoi tu parles de kélim? Parce qu'ils sont le shoresh, ils sont la racine, le principe des limites au sein de l'illimité. Eux-mêmes sont illimités, mais ils sont la source de la limite. Pour eux-mêmes ou pour les autres mondes? Pour les mondes de Bria, de Bia. C'est ce qu'il va expliquer maintenant. Vimken, je suis à la deuxième ligne, page 25. Vimken, Yéchar le marche à Kéli Matma, même Bekrina Gvoul. On ne peut pas dire qu'eux, ils sont limités, puisqu'ils sont, ils font un avec le Hatzilut. Razak, dans Hatzilut. Et Chaz Vesholam le marche Ken Be'elokut. On ne peut pas dire qu'il y a de la limite dans Elokut. Arainyan ou chez Kede, chez Yur. Pourquoi? Parce qu'Elokut, c'est infini, donc tu ne peux pas dire qu'il est limité, Dieu. Arinian ou chez Kede, chez Yochal, Liot, Inyan, Agbala, le Agbil, Inyan, Acher. Mais cependant, pour que, ensuite, ça, après cela, il y ait quelque chose qui soit de l'ordre de la limite. Oui, Bachutz, Leolam, Hatzilut, et que ce soit à l'extérieur de Hatzilut. Areze, Nifal, Aliede, Klalut, Inyan, des Sersuot, de Hatzilut, ou Bepratiut. Alors, ça se passe grâce, en fait, aux 10 Sfirot de Hatzilut. Et particulièrement à Kelim de Hatzilut, Shinikrim, Beshem, Ma'anin. Ça va appeler ici des vêtements ou des Kelim. Vous voyez, c'est-à-dire que Hatzilut, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est un monde, c'est le monde de la Kabbalah. C'est le monde que Dieu il a révélé au peuple juif, le monde de Hatzilut. Pourquoi? Parce que c'est un monde divin, mais en même temps, c'est la racine de ce monde, la racine du monde créé. Sauf qu'on est, on est dans quelque chose qui est encore incréé, qui est au-delà de la création. La création, elle commence avec Bia, avec Bria et Sirassia. D'accord? Mais dans les Séphirotes, parce que quand tu dis. Ça s'appelle Raza de Memnouta, le secret de la Emouna. Parce que comment tu peux parler de Séphirotes dans Dieu? Dieu, il est un. Alors pourquoi tu dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Pas 10 Séphirotes, 5 parts sous film. Comment tu peux parler de ça? Pas de. Il n'y a pas de compte. Il n'y a pas. Dès que tu comptes, c'est des limitations. Quand je dis j'ai deux, c'est que j'ai deux, j'ai pas trois. C'est déjà une détermination, une délimitation, une définition. J'ai fini les choses. Sauf que dans Hatzilut, même quand je dis 1, 2, 3, Keter, Rochma, Bina, tous les noms que je dis pour ces sphirotes, elles sont jamais séparées du Ensof. Donc c'est à la fois le principe de la distinction et de la limitation. Mais en même temps, c'est encore dans l'unité pure. C'est comme alors l'infini, comme vous avez dit, qui contient le fini. Qui contient le fini. Alors, c'est vrai pour la notion de Séphirot, d'Hatzilut, et plus particulièrement pour les Kélim, d'Hatzilut, qui sont déjà plus déterminés que les Horot. Parce que le Kéli, c'est ça qui fait la couleur, non, c'est ça qui fait la détermination. Ok? Alors, donc en fait, avant la Kélim de Hatzilut, Atzmam aime Bligvoul. C'est vrai que c'est eux qui vont permettre la détermination dans les mondes d'en dessous, la délimitation, mais eux-mêmes, ils sont Biltikvoul. Vadouk Malazebe Adam Atartana, il va donner un exemple pour l'homme d'en bas. Shivu Adam El Elion, puisque l'homme d'en bas est à l'image de l'homme d'en haut, c'est-à-dire Dieu, le Sphirot. Kachak, quoi, Aktiva. Chez Bayad, Nimchar, à l'idée, Tralakut, Aetzbaot, Lirtov, Ot, Achat. Tu te mets à écrire. Donc tes doigts, ils vont avoir une certaine position,
pour écrire la lettre Aleph. Ils vont faire un mouvement qui est propre au Aleph. Mais en réalité, ils pourraient faire n'importe quel mouvement. Ils pourraient écrire un bête, ils pourraient faire un guimal. Mais maintenant, donc eux, leur possibilité d'écriture, elle est infinie, si vous voulez. Mm-hmm. Elle a toutes sortes de possibilités. Mais maintenant, quand tu écris un Aleph, ça se détermine sous forme de Aleph. Rekoa activa gufa, la capacité d'écrire elle-même. Iné gam bechat shekotev ot achat yesh bekucho lichtov kama vekama aliribu yotiot. En réalité, tu as une possibilité d'écrire toutes sortes de lettres. Et là, chez Magbil, chez Ma, chez Yavo, Ata, Be, Dio, Alaklaf, Yirak, Ot, Achat. En réalité, maintenant, il y a une certaine détermination, une certaine limitation qui fait que tu vas écrire telle lettre avec ton langue sur ce clave. Alors, c'est une image pour dire que tu as un pouvoir infini, ici, bon, c'est pas vraiment infini, mais enfin, c'est comme si tu as un pouvoir infini dans ta main, mais finalement, il y a une seule chose qui sort. Alors, en fait, c'est un machal. Il va dire que c'est un machal qui n'est pas à 100%. On parle de quelque chose qui est encore plus que le corps d'une main. L'écriture, c'est pas... C'est le corps d'une main, c'est encore limité. Même. Alors pour Dieu, c'est illimité. Mais malgré tout, bien qu'il soit illimité, là, il choisit ce qu'il lit, là, il choisit ce qu'il lit, là, il choisit ce qu'il lit. La main, c'est ce qu'il compare au cœur de la cellule, c'est ça que je veux dire. La main, ça représente même plus que ça représente l'infinitude qu'il y a dans la cellule. Okay. Mais la lettre qui est écrite, ça correspond au qu'il lit. Ou mes vers chez l'eau, rachok le marken. Ouais. Ou mes vers. Alors il explique là-bas, chez l'eau, rachok le marken beolam atzilut. On pourrait presque dire comme ça dans la tzilut, av sheli chora. C'est-à-dire dire que ça marche comme ça dans la tzilut. Av sheli chora, en shayer be atzilut inyan shegbu. Bien qu'en vérité, on a dit, on peut pas parler de limite dans la tzilut. Afilu le agbil, mash kuseimeno. Même quand on dit que la tzilut, elle va être la racine des limites qu'il va y avoir dans les mondes en dessous. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui limite. Elle ne limite pas, elle est simplement le principe de limitation. Mais Mikol Sheken, Midat Rambam. On peut faire un Kal Vachomer à part de ce qu'a dit le Rambam, une Chot Deot, Shehu Vechokhmato Echad. Là-bas, il explique que Dieu et sa sagesse font un. Ou Ayodéa, il est celui qui connaît. Veu Ayadoua, il est le connu. Veu Adéa, il est la connaissance. Atma Akol Echad, c'est cette fameuse phrase du Rambam très connue. Il est à la fois le connaissant, la connaissance et le connu. Veim Rambam Ormerzot, Benoga, Letzem, Abore, le Rambam, quand il parle de ça, il parle de Dieu, pas du Créateur. Ouais. Alors, a priori, c'est sûr qu'on peut au moins dire ça dans les 10 sphères de Hatzilut. Les 10 sphères de Hatzilut, on peut dire qu'elles font un avec ce qui va être connu. Maintenant, comment on peut se faire donc la limitation dans les kélim de Hatzilut? Des biches la mabe Adam, dans l'homme, on comprend bien, il n'y a pas le piche, il est mal à Mikola Akbala, bien que l'essence de l'âme d'un homme, elle dépasse toute limite, elle n'est pas limitée. Mikol Makom, Yichola Liyot, Akbala, Bekoa Aktiva. Malgré tout, il peut y avoir une limitation qui se fait par exemple dans l'écriture. Kvan She Over, Alide Ayad, Vesbaot Ayad. Pourquoi? Parce que cette source d'écriture, elle va passer à travers la main, à travers les doigts. Mais dans la Tzilut, on ne peut pas dire une chose comme ça. Parce qu'il n'a pas de corps, il n'a pas de... C'est rien de physique. L'explication, c'est que Hachem, il est ce qu'on appelle le Kol Yachol. Et grâce à cela, il y a aussi... le Koragvul, Dieu, il a la possibilité de faire du limité, de faire quelque chose qui est limité. Mais la reine Yachol Lifol, il y en a Akbala, Gam Lelo Akelim Shemirot Zatio. Donc il est capable, en fait, maintenant, de faire quelque chose de limité, même si c'est sans utiliser les Kelim Zatio. Va épiser mes vers. Alors, c'est un peu compliqué, tout ça, ce qu'on est en train de dire, mais. La chose, elle est la suivante. C'est-à-dire qu'en fait,
Kadosh Baruch Hu, il est tellement infini qu'il peut faire ce qu'il veut. Donc il peut faire quelque chose qui est limité. Ça va gérer son illimité, mais même si on ne le voit pas, directement sortir de là. D'accord ? Il faut qu'il y ait le principe, c'est-à-dire la racine, l'idée même de Gvoul dans le Bili Gvoul existe justement dans les Kelim de Hatzilut. Mais maintenant, on ne sait pas que les Kelim de Hatzilut ils produisent nécessairement le Gvoul. Ils pourraient ne pas le produire. Eux-mêmes, ils sont infinis. D'accord ? Donc si ça se produit, c'est parce qu'à un moment, le Kadosh Baruch Hu, il veut que se révèle le Korah Gvoul. Qui effectivement s'enracine dans les sphères dans les kelim de Hatzilut. Mais ce n'est pas parce que les kelim de Hatzilut ils sont comme ça qu'ils doivent procurer directement du fini. Eux-mêmes, ils sont infinis, puisqu'ils font un avec l'infini. Donc, puisqu'ils sont infinis, ils ne sont pas limités par un principe qui est le principe du limité. Ils ne sont pas limités du tout, en fait. Ouais. Le ciel, par exemple, Rabbi. Le ciel, par exemple. Ouais. Il est infini, non ? Ça dépend de ce que tu appelles le ciel, d'abord. On se met d'accord. Oui. C'est quoi le ciel ? C'est que tout ce qui est en haut. Tu parles de Picabala, tu parles. Non, concrètement. Avant que vous allez d'en haut, je veux dire. Qui te dit qu'il est infini ? Parce que quand vous sortez de la Terre, alors, il est défini, ça veut dire. Oh, oui. La création, elle a une limite. La création, elle n'est pas infinie. Par définition, elle est le dévoilement du fini. Elle peut être très grande, elle peut dépasser tout à fait notre entendement. Mais on ne peut même pas imaginer qu'il faudrait des milliards d'années à la vitesse de la lumière pour traverser cet univers, ce qui est impossible. Malgré tout, ça s'appelle quelque chose qui est fini. Même si c'est qu'elle fait 14 milliards d'années-lumière, c'est-à-dire 14 milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de kilomètres, ouais. Mais j'ai pas tout dit, c'est beaucoup, ça reste un nombre fini. Il y a un moment où ça s'arrête, ou peut-être tu tournes en rond, mais c'est pas quelque chose qui est infini. L'infini, il n'a réellement aucune limite. Aucun c'est limite, il peut être fini. Ou en général, non. C'est-à-dire que c'est un chédouche, on peut dire que ce qu'infini est aussi fini. C'est ça que je me pose la question. C'est très bien. C'est-à-dire, en métaphysique, en fait, il faut comprendre que ce que les mathématiciens disent d'un ensemble infini, ce n'est pas vrai. Pas d'ensemble infini. Ça s'appelle proprement, à proprement parler, un ensemble indéfini, au sens où tu peux toujours trouver encore un nombre. Mais le fait que tu parles de nombre, tu es déjà dans une limite. L'infini, il est au-delà du nombre. Tu ne peux pas le quantifier. Il n'est pas dans le quantifié, dans la quantification, exactement. Tu ne peux pas le quantifier. Donc, il peut pas être... Même quand on dit un tuchad, ils auraient dit velo bechushban. C'est un 1, mais pas un 1 de l'ordre du compte, de la quantification. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas vraiment être fini, puisqu'il est infini. Ça ne s'appelle pas de l'infini, ça s'appelle de l'indéfini. Mais l'infini, c'est au-delà même du nombre. C'est-à-dire que l'infini contient aussi tous les nombres, qui est limité. Techniquement. On peut dire ça rapide ? C'est-à-dire, il le contient, mais un ensemble de nombres, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fini. Même si c'est indéfini, c'est-à-dire indéfini, ça ne s'arrête pas. Mais malgré tout, c'est pour l'ensemble des nombres entiers, par exemple, en maths. C'est un nombre que les mathématiciens vont appeler ça un ensemble infini. Mais d'après la Kabbalah, c'est pas un ensemble infini. L'ensemble ne peut pas être infini. Puisque il est déjà, et la preuve c'est qu'il ne contient pas tous les nombres. D'accord ? Et même si tu dis qu'il y a autant de nombres dans tel infini, dans le monde, je sais pas, des nombres entiers que dans le monde des décimaux, ça va prouver ça. Okay ? Malgré tout, tu restes encore dans l'ordre de la numération, de l'ordre donc d'éléments finis. Alors que dans l'infini, tu n'as pas d'éléments en fait. T'as quelque chose qui est au-delà. On a du mal à se faire cette conception-là, parce que on a été pétri d'une vision où l'infini, c'est un ensemble qui ne s'arrête pas. Mais c'est pas vrai. Au moins, c'est un nombre, c'est défini. Ouais. À partir du moment où tu es dans les nombres, tu es déjà dans quelque chose de défini.
Bon, ça, c'est si tu parles en termes mathématiques, mais. Donc, même dans ton image du ciel, si tu veux, le ciel, il peut être aussi grand que tu veux, et même s'il ne s'arrêtait pas, malgré tout, c'est un ciel fait d'étoiles, de galaxies, etc. C'est des choses qui sont finies. S'il y a des galaxies, il y a des choses qu'il n'y a pas. Pas tout. Techniquement, même en maths, ça veut dire qu'il te le dénombre. Il t'enlève le nombre. Si tu prends n'importe quel plus grand, prends le plus grand chiffre du monde que tu veux, un milliard sur l'infini, ça reste ça, zéro. Ça reste zéro. Ça veut dire que ça annule le nombre même. Oui. Parce que le fini par rapport à l'infini, il est totalement nul. Oui, il est annulé. Alors comment l'infini peut avoir du... Alors c'est ça le mystère. Alors le mystère, il a été dévoilé par les Mekoubalim, par Rabbi Shimon Bar Yochai, par le Sefer Yetzirah, sous forme de ce monde des Sephiroth. Parce que tu vois, un Sephiroth, c'est intéressant, parce que Sephiroth, ça veut dire un nombre aussi. Ouais. L'Isport, ça veut dire compter. Et ça veut dire aussi Sefer, ça veut dire aussi des lettres. Enfin, restons dans les nombres, puisqu'on était dans... Donc, c'est des nombres, mais qui font un avec l'infini. Donc, c'est des éléments, les sphirotes, qui sont à la fois dans l'ordre d'un compte, mais un compte qui n'est pas un vrai compte. Mmh. Un compte qui est de l'ordre du Ensof, qui est dans le Ensof. C'est-à-dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le principe, le shoresh du compte, le shoresh racine de la limitation, mais au sein de l'infini. Ça, c'est Hatzilut. Et plus précisément, même les kelim de Hatzilut. Mmh. Dans l'été eux-mêmes, ces kelim de Hatzilut, ils font totalement un avec le Ensof. Ils sont de l'ordre, ils sont une partie du Ensof. Une partie, c'est pas très juste, mais ils sont Ensof eux-mêmes. Mmh. Et pourtant, ils sont un aspect dans le Ensof qui va permettre ensuite la révélation du nombre et de la finitude. Sans que eux, ils soient finis. C'est pour ça que. Le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelle ça « Raza de Me'emnuta ». C'est le secret de la Emouna. Le secret de la foi juive, il est contenu dans ça, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est de comprendre que finalement, alors, si c'est comme ça, tout l'univers qui est fini, il est juste un dévoilement de quelque chose qui, au départ, est infini. Right. Donc, en réalité, même si on est dans un monde fini, on ne devrait pas s'inquiéter parce que Dieu est infini et qu'il est partout. Mm-hmm. Il faut avoir la Emouna. Right. Donc à chaque fois que tu as une petite angoisse, tu te dis, mais si Dieu il y a un sauf, alors tout ça c'est en HM. Mais il a ramené le Rambam dans un autre langage, un langage plus philosophique, où il dit que HM il est celui qui sait, il est ce qui est su, et il est lui-même la connaissance. C'est-à-dire qu'il fait un avec l'univers. Comme quelqu'un qui se connaît lui-même. Je me connais, je me sens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je connais, c'est ce que je suis. Donc, l'objet de la connaissance de Dieu, c'est lui-même, en fait. Parce qu'il n'est pas séparé. Alors, ce qu'il disait ici le Balatania, c'est que le Rambam, il parle au niveau du Créateur, que le Créateur est fait un avec la création. Alors, plus fortement, on peut dire ça dans Hatzilut. Dans Hatzilut, Dieu, il fait un avec Hatzilut. Oui, j'étais pas là au début, mais juste pour me rafraîchir un peu. Hatzilut, c'est ce qu'il y a au-dessus de ce monde. Il y a trois mondes créés qui sont Bria, Yetzira, Asiya. Le Bria, Asiya. On est dans l'Olam Asiya, on est dans le bas de Asiya. Donc l'action, c'est ça ? Ouais. Asiya, action. Sous, c'est ça. Et en bas de l'Olam Asiya, il y a le monde du matériel. Parce qu'au niveau supérieur de Asiya, ils ne sont pas forcément matériels, ils sont plus subtils. Spirituels. Ouais. Donc, mais au-dessus de Bria, il y a Hatzilut. Hatzilut qui est un monde qui est divin, mm-hmm. Où on parle de Sphirot, donc de Horot et de Kelim, mais le Horot comme le Kelim font un avec l'Ensof. Okay. Dans Bria, dans le monde de la création, les Horot elles font un avec l'Ensof, mais les Kelim moins. C'est moins visible. À tel point que c'est pour ça que, surtout dans le monde de Asiya, en fait, le monde matériel il a l'air d'être séparé de Dieu. Prends cette table, tu vois pas de toute évidence qu'il y a le Rensot qui est dedans. Mmh. Si on était dans Hatzilut, on verrait même dans le Kelim d'Hatzilut, qui ne serait pas évidemment pas une table physique, on verrait rien que du divin. Rensot. Rensot. Mais l'exemple de l'écriture, je trouve que c'est exact, c'est ça.
Comment avoir quelque chose de fini qui vient, qui est attaché à ce qui est infini, c'est ça? Oui, parce que ta main, théoriquement, elle peut écrire n'importe quoi. Une infinité de dessins que tu peux dessiner. Mais quand tu crées un Aleph, par exemple, tu l'as limité ton dessin. Mais il vient de la même source qui est infini. Ouais. Mais tout ça, alors, c'est pour montrer justement comment chaque sphirote elle est attachée, comment chaque sphirote elle est limitée techniquement, mais elle est quand même attachée au monde au-dessus qui est infini, c'est ça? Ouais. C'est ce qu'on essaie de dire. Ouais, alors, pour l'instant, il est dans. La spirale, elle est limitée, non? Ouais, elle est infinie. Elle est infinie. À l'infini, mais en même temps, pourquoi tu parles de sphère de compte? C'est-à-dire que tu es déjà en train de limiter. Mais elle n'est pas limitée. Parce qu'elle est dans un tzilout. Parce qu'elle est dans un tzilout. Alors même dans Bria, il y a un aspect de la sphère qui est aussi illimité, qui fait un avec la goutte. C'est quoi? C'est la lumière. Mais les kélim, ils ont l'air déjà plus séparés. Je dis ils ont l'air parce qu'en fait, à un niveau plus profond, on voit que tout est goutte. Est-ce qu'on peut donner le même exemple avec la Torah, par exemple? La Torah, elle est écrite, elle est matérielle, disons. Aujourd'hui, on l'a dans un Sefer Torah. Mais la Torah elle-même, elle est infinie. Ouais. Donc ça revient maintenant. Ouais. C'est, la Torah, elle est infinie, et pourtant, elle s'exprime sous forme de 613 000 votes, il y a un nombre fini de psukim, de voyelles, tout ce que tu veux, de lettres. Et en même temps, son message est infini. C'est-à-dire qu'à l'infini, on peut sortir du Hiddushim dedans. Ouais. C'est une bonne image. Une bonne image. C'est-à-dire que sa nature, en fait, elle est infinie. Mais elle apparaît dans des kélim qui sont finis. Qui sont les 613 000 qui sont marqués, le nombre de psukim, les règles des herméneutiques. Il y a un nombre de lettres aussi. Tu ne peux pas dire n'importe quoi avec la Torah. C'est pas parce que la Torah, elle contient tout que tu peux. Quel est tout techniquement? Que tu peux tout dire. Mm-hmm. Il ne faut pas dire des choses fausses. Donc. Mais tu peux avoir une infinité de vérités. Oui, mais. Ça inclut pas forcément. Ça veut dire tu peux avoir plusieurs facettes de la vérité, plus que plusieurs, une infinité de vérités. En fait, ce sont des facettes d'une même vérité. Mais tu peux aussi avoir beaucoup de mensonges. Mm-hmm. Tu peux avoir plus de mensonges que de vérités. Donc s'il y a plus de mensonges que de vérités, dans le Olam Asiya, il y a plus de Sheker que de Emet. Mais si tu dis que dans ce monde, tout est lié avec le divin, alors il n'y a plus de Sheker. Par exemple, dans l'Atsilut, il n'y a pas de rat. Le Garoura, le roi, il ne peut pas l'atteindre. Il ne peut pas atteindre l'Atsilut. Il n'y a pas ni de mal, ni de Sheker. Mais c'est intéressant que tu rebondis sur la notion de Sheker parce que justement, ce qu'on veut, c'est transformer le Sheker du monde en Keresh, en quelque chose qui va donner une structure de révélation du divin dans le monde d'en bas. Ce qu'il faut que la Shekhinah se révèle dans le monde d'en bas, c'est-à-dire en fait au fond, que les Kélim de Asiya, ils véhiculent la lumière divine. Mais en fait, ce n'est pas seulement les Kélim de Asiya. C'est même l'équilibre de la matérialité, vraiment. La matière, elle doit devenir quelque chose qui révèle le divin. Mm-hmm. Et pour ça, il faut sortir de l'enfant. C'est pas matériel. Hein? Asiya, c'est pas matériel. C'est pour ça, c'est en fait, si tu veux, quand on regarde un peu dans les détails, c'est pas tout l'Olam Asiya qui est la matérialité. C'est juste la partie la plus basse de Asiya. C'est Malchut de Asiya. Et le niveau le plus bas de Asiya dans lequel est Gashmi. Mais l'Olam Asiya, il est plus grand encore que le monde Gashmi. Ah. Il a un côté Rouhani aussi. On est dans le Malchut, c'est ça? On est vraiment au niveau le plus tartan. Mais à part ça, hein, c'est la matière. La matière, c'est comme la couche dernière de ce monde. En fait, le monde matériel, dans la structure des Olamot, c'est un tout petit degré. C'est un tout petit degré par rapport à l'infinitude, les degrés indéfinis directement de tous les Olamot. Et pourtant, c'est dans ce monde-là, dans ce degré de la matérialité, que Akadosh Baruch Hu, il veut faire il veut révéler le Icar de sa Shekhinah. C'est fou. Ouais. Ça s'appelle Icar Shekhinah, Betartanim Haïta.
C'est le cas, la Shrina a été dans le monde d'en bas, il faut qu'elle reçoive à nouveau dans le monde. On pense ça aussi parce qu'on a la petite image. Parce qu'on est là aussi. Mais si on avait une image à grandeur infinie, on n'aurait pas vu ça comme si quelque chose de tellement grand. Ça reste petit comme vous avez dit, une petite couche. Mm-hmm. Alors. Après, il va passer sur un autre ignan, qui est le ignan de la création du mal. Je vais essayer de finir ce paragraphe. Donc, on est 6 lignes avant la fin du paragraphe. Arabi Urbazé, qui huit barar kol yachol. L'explication de tout ça, c'est parce que Hachem, il est infini. Il a une possibilité infinie. Mitzadze, yeshbo koar ekvoul. Donc, il inclut aussi même le koar ekvoul, comme on l'a expliqué précédemment. Lachen yachol lif'ol inyan ha'agbala. Donc il est capable de faire quelque chose qui est de l'ordre du limité, gam les lois kelim chez bichut la tzilut, même sans utiliser les kelim qui vont être à l'extérieur de la tzilut. Valpizem et vaer admur maharash inyan itatvu itavut mitzutara. Et du coup on peut même, et voir m'arriver, il y a des gens en bas, hein. et on peut expliquer aussi comme l'a fait le rabbi Maharash, qui est le quatrième rabbi, puisqu'il cite tous les rabbis dans ses maharim. Eh bien, il y a l'itavut mitsutara, l'existence du mal, que Moshe Katouf Borera. C'est marqué dans le pasouk. C'est shalom ou borera. Nous, dans la tefila, on dit c'est shalom borera kol. Parce qu'on n'a pas voulu citer le pasouk, dire tous les matins que Dieu crée le mal. Mais en vérité, c'est dans le verset de Yeshayahu, c'est marqué ou borera. Donc c'est Dieu qui a créé le mal. Afalpi, chez Batsilut Ktiv, le Geoura, Ra. Bien que dans Atsilut, il dit le Ra ne t'atteindra pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal dans Atsilut. Atsilut est complètement un monde divin, donc il ne peut pas y avoir de mal. Dieu, il n'y a pas de mal en Dieu. S'il est parfait, il est infini. Le mal, il vient de l'imperfection, il vient du manque. Ouais. Ça, on va se référer à d'autres shurim pour ça. Mais Kevan, chez Ouïd Barar, Imiyoto, Ensof, Yeshbo, Gamken, Akoar, Lehaïr, ou Lehaspia, Bekrinat, Gvoul. Donc, étant donné que Dieu, il est infini, il a donc cette possibilité aussi, bien que lui, il est infini. Donc, dans Atzilut, il n'y a que du bien, il n'y a que du or, il n'y a que du divin. Mais malgré tout, il peut être boré, le rat. Il peut créer du mal dans un monde plus bas. Parce que comment il peut créer le mal? Pourtant, il n'y a pas de mal en lui, donc comment il peut produire ça? Il peut produire ça parce qu'il est infini. Du fait qu'ils sont infinis, il peut sortir n'importe quelle possibilité. Imken, Mizen, Imchar, Gamken, Bekinat, ou Borera. De là, il peut y avoir la création du mal. Zainu, Ar, en fait, on a dit, qui a Makor, les reins, ou Mitzad, Medida, Vagbala, Vatsimtsum. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mal vient d'abord parce qu'il y a une notion de limite. Dans les limités, il n'y a pas de mal. Dans la limitation, justement, c'est là qu'il peut y avoir le manque, c'est là qu'il peut y avoir donc le défaut, c'est là qu'il peut y avoir donc même le mal. Mais causé, mouvan, chez Afil, bekelim de Atsilut, le cher chez notre vie de pâle. Donc on peut réellement dire que dans Atsilut, même si c'est Atsilut qui est la source de la création, malgré tout, il n'y a aucune différence, aucune différenciation. Ah, comment ça se fait que ça va être produit à partir de Atsilut? Le Bria va être produit avec justement une notion de Akbala, une notion même de mal. Eh bien, c'est parce que ce qui est derrière Atsilut, ce qui est au cœur d'Atsilut, c'est la dimension absolument infinie de Dieu. Et comme elle est absolument infinie, elle peut même créer quelque chose qui est le contraire de l'infini, c'est-à-dire le fini. Chare M. Ma'anin Didi, ce qu'on appelle Ma'anin Didi, donc c'est mes kelim, c'est les kelim de Dieu, qui sont donc de l'ordre de Elokut. Quand on dit mes, quand Hachem dit mes kelim, ça veut dire la dimension divine. Même les Ma'alam et Akbala, et donc eux, ils sont complètement, ces kelim d'Atsilut, sont au-delà de l'Akbala, au-delà de la limite. Et là, chez eux, à Kohar, les Akbil, Mikhous, l'Atsilut, mais pourtant, ils ont le Kohar de limiter en dehors de l'Atsilut. Au Chaba. On a le temps de faire un pari pour. On est 11. Ok, alors on va arrêter. Marive. Au Chaba, on a le Lama, maintenant.